Salut les codes, c'est Code, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série Modé Cube. Et oui, pour ceux qui ne l'avaient pas déjà vu, c'est l'épisode 2. Je sais, ça a pris énormément de temps et entre-temps, il y a énormément de trucs qui ont changé. Comme n'importe quelle survie modée, en fait, je suis complètement accro. Donc, je joue beaucoup hors cam ou en live. D'ailleurs, j'ai sorti une nouvelle chaîne YouTube et dans les prochains jours, il devrait y avoir des rediffusions de live. Mais bref, il y a énormément de trucs qui ont changé et j'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais ça, on risque de faire ça sur plusieurs épisodes. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai juste commencé. En fait, à ce qui paraît, il faut qu'on aille vers une direction parce qu'il y aurait un jeu en préparation. Et là, on arrive à un château qui est tout simplement... What the fuck? Les builders, ils sont trop bons. Je pense que c'est Albin Ballon qui l'a fait. Cool, une chance que... Ils s'en foutent, hein, des gens de petite taille ici, hein. C'est un des animateurs de Modé Cube. Hop, je voulais pas le prendre. Il est temps de choisir votre camp. Choisissez judicieusement, ça n'arrive que tous les 100 ans. D'un côté, ceux qui ne jurent que par la vapeur, c'est pas très bien formulé, mais est-ce nos vainqueurs? De l'autre, ceux qui se laissent emporter par la fantaisie, est-ce nos futurs gagnants ici? Cette joute ne fait que débuter. Une compétition sans merci va s'éclater. À vos marques, prêts, choisissez. Je parie que ça c'est vapeur et ça c'est fantaisie, c'est magnifique. Il faut que je paye des builders, hein, pour construire sur mes survies. Et là, fantasy gagne. Nice! Fait que là, quand on regarde le tag, ben, je suis en bleu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver à la base. Je vais vous montrer qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on va attaquer et qu'est-ce qu'on va aussi attaquer dans le futur. Et donc, re-bienvenue à la maison. La dernière fois, ben, j'habitais dans un trou. En passant, de Smithy s'est encore surpassé. N'hésitez pas à aller voir ses lives. Le lien va être dans la description. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on passait tout simplement par des petits trous comme ça. Hop, hop. Et on arrivait à la maison d'une manière ou d'une autre. Et hop, on arrivait à la maison. Mais là, vous pouvez voir, c'est le bordel. C'est même immonde. Immonde. Et ouais. On va comme... faire comme si ça n'existait pas. Et on va se rendre à notre vraie maison. Et là, la dernière fois que vous êtes venu ici, il y avait que des villageois. En fait, c'était le bordel. Et c'était surtout très laid. C'est pour ça que j'ai décidé de déplacer tous les villageois dans une salle secrète. Mais quelle salle secrète? Et aussi, c'est quoi ces gros tubes oranges? Donc là, ici, j'ai fait un peu de create, je me suis amusé. Je sais qu'à la dernière épisode, j'ai dit que j'allais pas toucher à create, j'allais faire que du botania. Mais inquiétez-vous pas, on va en faire aujourd'hui du botania. Mais on... c'est trop bien create. Mon esprit d'informaticien capote sur create. Donc là, ici, on a un truc que je vous expliquerai dans une future vidéo plus en détail. Mais c'est un système qui utilise l'expérience pour faire de la duplication de livres. Donc, quand on met un livre dans le printer qui est juste ici et qu'on a un tapis qui roule jusque là. Donc là, si par exemple j'active mon moulin, c'est un moulin à vent mais qui passe dans la terre, les livres passent en dessous, l'expérience passe du gros tuyau, ouais d'ailleurs il y en a presque plus, ça c'est ça qui aspire l'expérience de mon corps, la porte dans le gros, la grosse bassine, le gros tank en fait d'expérience, et apporte ça au printer, le livre passe en dessous, je sais pas si j'ai un livre à disposition, parfait, on met un livre là-dedans. Le livre est sorti, ensuite l'imprimeur imprime et tout simplement termine le livre. Donc là, si je le ramasse, je sais pas pourquoi je peux pas le ramasser, peut-être à cause de ça. Yes. Si on le ramasse, on peut voir qu'on a un livre enchanté, Lure 4, et on a exactement le même livre qui est à l'intérieur. Lure 4? What? Ouais, on a Lure 4. Ça aussi, je vais vous l'expliquer. Donc là, je vais m'assurer de bien fermer la... Oh, la... bordel de hache de Terra Shatterer. Ça aussi, je vais vous l'expliquer. On va s'assurer de fermer ce qu'on peut fermer le plus souvent possible pour pas faire lag le serveur. Et là, on arrive devant une ferme à faire que j'ai décidé de faire parce que... Ouais, non, les fermes crêtes à faire, il faut quelque chose de beaucoup trop gros pour avoir une fraction de ce rendement-là. Et on arrive ici, devant The Villager. Ouais, je l'ai fait avec un accent français, mais The Villager. Et là, grâce à Monsieur The Smithies, on a un passage secret
beaucoup, beaucoup trop stylax. Attendez, il faut qu'on le fasse avec les shaders. Oh, c'est tellement stylé. Il a géré de ouf de Smithies. Non, non, on va rentrer avant que ça ferme. Et oui, ça m'écrase, hein, si je me fais enfermer. Là, vous pouvez voir le système Create qu'il y a derrière. Autant que je trouve qu'il est pourri en redstone, autant que sur Create, il est super balèze. Ok, et c'est là qu'on arrive dans l'antre des villageois. En fait, j'ai séparé cette espèce de grotte-là en plusieurs parties. Ici, on a la section des villageois qui nous permet de faire des échanges. Mais encore une fois, je vais pas vous montrer ça en détail, ça va aller pour un prochain épisode. Ensuite, on a juste ici un reproducteur de villageois que j'ai fait en live. Donc, c'est un reproducteur classique. Bon, ben, il y en a un qui est rendu ici. C'est pas important, hein, il va rester là toute sa vie. Et ça apporte en fait un wagonnet juste ici. Le wagonnet tombe, là, je peux faire des trades, etc. Je pèse sur le piston, ça pousse le villageois et lui est envoyé. Où est-ce que je veux l'envoyer? Ensuite, on a ici la salle des coffres. Donc, c'est plein de drawers. Ça aussi, je vais vous expliquer dans un futur épisode comment bien organiser vos drawers. Juste, moi aussi, je suis encore en train de jouer avec tout ça. Mais il faut savoir aussi que grâce aux villageois, j'ai pu obtenir des dizaines de milliers d'émeraudes de toutes, en fait. Je peux vraiment avoir des ressources à l'infini. Tout ce qui est échangeable avec les villageois, j'en ai à l'infini. À cet endroit-là, on va avoir notre section. Vous voyez toute l'imprimerie qu'il y avait là-bas? Ben, elle va être juste ici. Donc, toute la section imprimerie, enchantement, etc. va être ici. Bien évidemment, quand tout sera fait, je vais décorer. Et ici, on a ma petite section create où je m'amuse, où j'ai fait des windmills comme ça qui fait comme une espèce d'effet ventilation industrielle. On a notre grinder, des trucs comme ça, notre petit sac à dos avec nos items de create. Donc, ouais, c'est là que je vais mettre des, pas des grosses fermes, mais des petits trucs qui pourraient nous être très utiles. Juste faire des tapis, grinder de la stone, des trucs comme ça. Bref, c'est notre petit espace create. Et ici, on a la pièce de résistance. Ça va être notre endroit Botania. Et ouais, je vous ai pas mal creusé. Ah ouais, d'ailleurs, je viens de remarquer. Là, vous dites, Cold, c'est quoi ta reach? Ouais, ça encore une fois, c'est Botania. C'est avec le Ring of Far Reach. Mais bon... Ok. Bon, il y a énormément de trucs que j'ai fait. Genre, quand je vous dis énormément, c'est vraiment énormément. Mais on va voir tout ça ensemble, comment se rendre au point où j'en suis. En fait, Botania, il y a comme plusieurs étapes. Il y a la première étape où il y a de la production de fleurs à faire. Ensuite, grâce aux fleurs, il faut faire du mana. Ensuite, avec le mana, il faut ouvrir un portail des elfes. Avec le portail des elfes, on va pouvoir modifier des items pour pouvoir avoir des ressources spéciales comme du terrarium, des élémentium, etc. Et avec ça, on va pouvoir faire une relique spéciale qui va nous permettre de crafter ce qu'il nous faut pour pouvoir faire un boss qui s'appelle Gaia et obtenir le endgame de Botania. Donc, être excessivement cheaté. Genre, voler, avoir une pioche qui mine comme ça et même encore plus gros. Bref, plein de trucs méga pratiques. Donc ouais, ça va être une grosse vidéo où je vais vous expliquer les bases de Botania pour qu'on puisse arriver au stade juste avant Gaia. Parce que ça va vite, mais en même temps, c'est quand même assez long parce que c'est beaucoup de grind. Donc là, la première chose que vous allez craft avec Botania, ça va être le Lexica Botania. Donc là, quand on regarde ensemble, c'est un livre qui nous explique les bases de Botania. Pour le craft, vous allez avoir besoin d'un livre et d'une pousse d'arbre et c'est tout. Ensuite, vous allez vous promener dans votre monde pour trouver des Mystical Flowers. Ça va être quelque chose de très important parce que ça va vous permettre d'obtenir des Mystical Pétales. Donc, pour farmer les Mystical Pétales, c'est très simple. Vous avez, admettons, une fleur. Là, on a une fleur, une Mystical Lime Flower. Donc, ce que vous allez faire, vous allez le mettre là, obtenir les pétales, la poser juste ici et là, vous allez voir qu'il y a une espèce de truc brillant juste en haut de votre terre. Prendre votre bone meal et là, quand vous allez la bone mealer, ça va faire une tall mystical flower que vous allez pouvoir ensuite briser, la prendre, la mettre dans votre inventaire et là, ça va vous donner 4 pétales. Et là, vous avez juste besoin de faire ça en boucle et en boucle. Et oui, il y a une manière d'automatiser ça avec un dispenser qui dispense les pétales, un autre dispenser qui dispense la bone meal et juste en haut, un piston qui casse tout et vous avez votre système qui est 100% automatique. Ok. Et là, vous avez votre système. C'est un système très simple. Ce que vous faites, c'est que vous prenez vos pétales, vous les mettez ici. Donc là, vous faites un aller-retour comme ça ici. Quand le levier part en bas, votre machine ne fonctionnera pas. Quand elle est en haut, elle va fonctionner. Vous prenez votre bone meal et vous avez seulement besoin d'appuyer votre clic droit comme ça ici. Quand vous avez fini, vous l'arrêtez. Vous pouvez même reprendre les mystical
pétales que vous avez ici. Vous prenez vos plantes et vous les convertissez en pétales et boum, vous mettez ça dans vos drawers. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de prendre ces pétales-là et de construire des fleurs. Et donc, le prochain setup que vous allez faire un setup pour produire des Generating Flora. Des Generating Flora, c'est des fleurs qui vont vous permettre de générer de la mana. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de un pétale apothecary, l'apothécaire de pétales, et des sources d'eau. Donc là, pour rester proche, je vais faire mon setup ici parce que je risque fort probablement... Ah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une source d'eau infinie parce que le pétale apothecary va te demander de l'eau. Si on fait contrôle dessus, il va vous expliquer comment qu'elle fonctionne. Donc là, ce qui va se passer... Donc là, pour la crafter, vous avez besoin de cobblestone et d'une pétale quelconque ou même d'une fleur. Et vous allez avoir besoin... d'eau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer deux sources d'eau comme ça ici. On va avoir une source d'eau infinie avec le pilier. On va l'appeler le pilier à fleurs qui va tout le temps se remplir d'eau. Je sais pas. Ouais, exactement. On peut prendre l'eau directement comme ça ici. Et là, j'oubliais de dire, mais le pétale... En fait, ce que vous devriez faire, hein, c'est juste aller dans Basics and Mechanics et suivre le guide lexical qui est juste ici, OK? Donc là, on a fait le pétale apothecary. Prochaine étape, le Pure Daisy. Le Pure Daisy, c'est une fleur qui va servir à transformer la stone en living stone, donc pierre en vie, et le bois en living wood. Donc, pourquoi qu'on a besoin de ça? C'est parce que le living wood va nous permettre d'avoir des living wood twigs, donc des bâtons de living wood, qui vont nous permettre d'avoir une baguette magique que vous allez voir qu'on va utiliser pour plus tard. Pour ce faire, on va avoir besoin de 4 pétales blanches dans un pétale apothecary. Le pilier. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'on va prendre nos 4 pétales blanches. Et là, si vous n'avez pas de fleurs blanches, vous avez juste besoin de vous promener dans le monde. Vous allez en trouver. On fait 1, 2, 3 et 4. Et là, on rajoute une graine. Et boum, c'est fait. On a un Pure Daisy. Et là, pour faire fonctionner une Pure Daisy, c'est super simple. On met une terre comme ça ici. Vous allez mettre Pure Daisy. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement placer de la stone autour. Là, je mesure un bloc, donc c'est chiant. Mais vous pouvez voir, il y a des particules qui se préparent. Et si on attend assez longtemps, et hop, ça s'est transformé en living rock. Et là, vous avez tout simplement à laminer. Et vous pouvez faire la même chose avec le bois. Et voilà, on a nos living wood et on peut les briser. Là, moi, je les brise d'un coup parce que, ouais, j'ai un peu trop avancé dans Botania, mais ça aussi, on va y venir un peu plus tard. Avec ces living wood, vous allez vous faire deux twigs. Je crois que c'est comme ça et comme ça. Non, comme ça. Yes, voilà. Et là, ça nous fait une wand of the forest. Et cette wand-là nous permet de faire plusieurs choses. Soit être en mode binding ou être en mode fonction. Honnêtement, fonction, je sais pas encore à quoi ça sert. J'utilise vraiment seulement le bind mode pour le moment. Maintenant qu'on a le Wand of the Forest et aussi du Living Wood, on peut crafter ce qu'on appelle un Mana Spreader. Donc pour faire un Mana Spreader, c'est 6 Living Wood, 1 d'or et n'importe quel pétale. Donc moi, j'en ai déjà dépréparé. Ensuite, on peut passer au Generating Flora, donc les fleurs qui génèrent de la mana. Donc, il y a plusieurs fleurs qui sont très pratiques. Par exemple, l'endoflamme, elle mange du charbon. L'anthropinium, elle va manger les explosions. Donc, quand il y a une explosion, elle prend tout le choc. Donc, on peut faire un duplicateur à TNT ou même de la TNT manuelle et ça fonctionne. Ensuite, on a la hydro-angéas qui va nous permettre d'absorber de l'eau en échange de la mana. Mais vraiment, la plus facile entre l'hydro-angéas et l'endoflamme, c'est vraiment l'endoflamme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire quelques endoflammes. On va placer du charbon juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et on va générer notre première mana. Pour ce faire, on va avoir besoin d'une mana pool. Donc, c'est fait avec 6 living rock. Vous allez prendre un mana spreader. Et on va se crafter, on peut crafter ensemble l'endoflamme. Donc, pour l'endoflamme, c'est 2 bruns, un light gris, puis un rouge. Donc, 2 bruns. Un rouge et un light gris. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on lance tout simplement nos pétales là-dedans. On prend une graine, on lance ça et on a notre endoflamme. Je vous conseille de vous en faire minimum 9. En vrai, minimum 9. Là, vous allez me dire, Cole, t'as pas encore fait un setup pour le Pure Daisy.
J'y arrive, inquiétez-vous pas, on y arrive. Donc là, je vais me faire un petit setup pour mes endoflammes. Donc ce qu'on fait, c'est tout simplement un 9x9. On place des endoflammes comme ça ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre un mana pool ici et le spreader comme ceci. Vous allez prendre votre Wand of the Forest et vous allez cliquer hop, sur une fleur en shiftant, clic droit. C'est très important qu'elle soit en bind mode. Et vous allez la lier, donc là vous avez vu la petite ligne au mana spreader. Vous allez faire ça avec toutes les fleurs, comme ceci. Et là, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le mana spreader et le lier avec la mana pool. Il faut savoir que le mana qui est envoyé, c'est quelque chose qui peut être bloqué par un mur. Donc si vous avez mana spreader, un bloc et puis la mana pool, la mana va jamais se rendre jusque là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher du charbon que j'ai déjà. Donc si vous avez, si vous jouez sur le modpack de Modicube, vous avez probablement criette et probablement aussi une ferme à charbon de bois. Donc ouais, c'est quand même assez facile. Et là, vous allez voir que les endoflammes vont commencer à manger. Donc là, je sais pas si je peux capturer une endoflamme qui... Non, hein? Le mana spreader est trop rapide. Donc là, vous pouvez voir que le mana part des endoflammes vers le mana spreader. Le mana spreader se remplit et lui, il l'envoie vers la mana pool. Donc, vous pouvez voir tranquillement que la mana augmente. Si vous voulez savoir, une mana pool peut contenir jusqu'à 1 million d'unités de mana. Donc ouais, c'est quand même pas mal, mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc là, on peut voir que le charbon a été consommé. On va attendre que toute la mana soit absolument consommée puis qu'il n'y ait plus une seule fleur d'activer. Et là, vous pouvez voir qu'on a eu genre 1/20 de la mana pool, ce qui est vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais en même temps, c'était seulement 25 morceaux de charbon. Donc vraiment, avoir un setup qui est avantageux, il faut quand même du travail. Et pour que vous puissiez faire ça, parce que mon but de la vidéo, c'est pas que vous copiez ce que je fais, mais bien évidemment que vous appreniez un peu comment utiliser Botania. Et c'est pour ça qu'on va crafter le Manasir. Donc, c'est un monocle qui nous permet de voir la distance de reach de chaque fleur. Comme ça, on va vraiment pouvoir faire quelque chose de petit. Vous pouvez toujours aller sur un site pour voir c'est quoi la range, mais c'est toujours mieux in-game. Donc là, pour faire un Manasir, on va avoir besoin de Gold Nugget, de mana glace et de mana steel ingot. Et pour faire ça, ben gold nugget, c'est assez simple, hein? On a seulement besoin de gold, donc moi j'en ai déjà, et on va avoir besoin de mana steel ainsi que de mana glace. Pour faire du mana steel ou du mana glace, il faut tout simplement tremper, ben là pour du mana glace, de la glace dans du mana, ou du iron pour avoir du mana steel dans du mana. Donc là, on va faire ça comme ça ici. On va arriver juste ici. Et là, quand vous allez regarder le mana pool, vous allez pouvoir voir que vous pouvez mettre tout simplement un iron ingot à l'intérieur et ça va le transformer en, hop, mana steel ingot. Et là, quand on met la glace aussi, hop, ça le transforme. Si, par exemple, vous n'avez pas assez de mana, vous allez voir un signe qui va vous montrer que ben, ce n'est pas faisable. Donc là, avec ça, on va crafter notre mana seer et hop, et on peut le porter comme un charme. Et là, avec ça, quand je vais regarder chaque plante, vous allez voir la range de détection. Donc, ça va être la range qui va permettre aux fleurs de manger le charbon. Donc là, on peut voir, c'est du 7x7, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Donc, si vous voulez faire quelque chose de très, 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 très performant, allez-y en 7x7. Et là, je me demande même, est-ce que ça marche aussi avec la hauteur? Ah ouais, ça le prend aussi sur une hauteur. Donc, d'après moi, c'est du 7x7 puis 7 de hauteur. On va le tester, hein. Là, on est à 2 de hauteur. Là, techniquement, ça devrait le prendre, OK? Et là, celui-là ne devrait pas le prendre. Exactement. Donc, on peut se faire une boîte de 7x7. Ah ouais, c'est génial. OK, j'ai envie de vous faire un setup de base, OK? On va y aller avec 7 fois... Il y a combien de plantes qui rentrent là-dedans? C'est 7x7, c'est 49 plantes. OK, pourquoi pas? On va faire 49 plantes. OK, let's go. Et là, avec 2 blocs de charcoal et le système qu'on a fait... On va voir combien de mana on va obtenir. Je sais pas si la vitre... Ouais, la vitre a pas l'air de bloquer le mana. Donc là, ça, c'est une bonne nouvelle. Si on regarde, les mana spreaders ont pas le temps de se remplir au complet. Donc ça aussi, c'est génial. Ça veut dire que il y aura jamais de fleur qui va être en attente de manger. Et là, on va voir à la vitesse. Ah, c'est pas si mal. Ça avance quand même assez vite. On va voir quand ça va arrêter.
Donc là, après quelques minutes, on a presque la moitié d'un corps. Donc un huitième de mana pool. Ce qui est vraiment pas pire. Et là, ouais, j'ai construit tout ça, mais bon, c'est toujours pas petit. En fait, je pense qu'il faudrait faire des carrés maximum de 4x4 ou même 3x3 avec un spreader par chaque carré. Comme ça, on envoie, mettons, du charbon ici, du charbon là, charbon là, charbon là. Parce que là, même quand je l'envoie dans le milieu, il faut que ça soit vraiment pile dans le milieu, genre... Ici, absolument, pour que toutes les endoflammes puissent avoir y accès. Peut-être avec un dropper en haut du mana spreader ou juste en bas ici. Un peu de la même manière qu'on fait une ferme à fleurs pourrait fonctionner. Mais bon, là, on a notre mana pool. Et la raison pourquoi je voulais en venir là, ça va être la dernière chose que je vais vous montrer pour cet épisode. Parce que oui, je pense que ça va être un multi-épisode où je vais vous montrer plein de trucs jusqu'à arriver à Gaia. Ben, ça va être tout simplement les floating flowers. Pour faire une floating flower, il nous faut des pasture seeds. Pour avoir des pasture seeds, il faut qu'on mette du grass dans des mana pools. Donc là, vous avez juste besoin de prendre une cisaille, prendre du gazon et l'envoyer tout simplement dans une pool de mana. Et là, toutes mes grass se sont transformées. Là, ça a-tu bien absorbé là? Ah ouais, ça a quand même descendu, vous pouvez le voir, en pasture seed. Avec ça, on met une terre, une pasture seed et... n'importe quelle fleur, je parie, hein. Je pourrais même déjà commencer par une daisy ou... Non, je pourrais pas. Et avec une fleur de Glimmering Flower, donc c'est une Magic Flower qui est mélangée avec de la poudre lumineuse. Donc, il vous faut absolument des petites fleurs. Les grosses ne fonctionneront pas. Je sais pas pourquoi, c'est un peu stupide. Puis, tu peux même pas farmer les petites. Mais bon, c'est pas la fin du monde. On fait ça comme ça ici. Et ensuite, on va dans la table de craft et on met la fleur comme ça ici. La terre et les pasture seeds, juste comme ça. Donc là, ça va faire floating black flower. On fait la même chose avec ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Et là, on va aller se faire d'autres oxydaisies pour en avoir juste assez pour remplir une ligne comme ça ici. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ok, et là, je vais me choisir un endroit. On va se mettre juste ici. Et c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir toute ma conversion de rock en living rock et de wood en living wood. Donc, je vais faire un petit saut comme ça parce que moi, je suis nain. On va se faire une floating pure oxydaisy. Pure daisy. On va la placer comme ça ici. Et on va faire la même chose en descendant. Donc là, je sais pas combien il m'en faut. Donc, je vais y aller tranquillement. Allons-y par bond de deux. Et ouais, une dernière comme ça ici. Et même une autre, en fait, parce que j'avais... un de hauteur. Vu que vous mesurez probablement deux blocs, ben arrêtez-vous là. Et hop, et voilà. Et là, si vous vous demandez comment je fais pour me rendre jusqu'en haut, ben encore une fois, je vous l'ai montré, hein, c'est à cause du Ring of Far Reach. Mais vous, ben, vous pouvez faire la tour un peu moins haute. On va briser ça comme ça ici. Et là, la seule chose que j'ai à faire, c'est de me placer ici. Oh, je peux pas placer de bloc de cette hauteur-là. Aha! Je l'ai peut-être fait un peu trop haut, mon truc. Et là, si je me place comme ça ici, je peux faire... ça. Ça. Ouais, je pense que je vais devoir laisser tomber ça, hein. Puis, ah, vu que je peux faire ça, ouais, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça comme ça. Et là, ce truc-là, juste en haut, comme ça ici, on va l'enlever. Et je vais pouvoir mettre ça ici. Yes, parfait. Et là, sans problème, on va pouvoir faire ça comme ça ici. Génial. Et là, on va juste attendre que la tour au complet se transforme. C'est tellement cool comment qu'elle se transforme là. Genre les petits coups. Bra, bra, bra. Parfait. Là, on se place en dessous. Et la seule chose qu'on a à faire, ben, c'est tout simplement de récolter comme ça. Et avec tout ça, ça nous fait 5... un peu plus que 55, hein? Ouais, 56 living rock qu'on va pouvoir storer dans un coffre quelconque. Et honnêtement, les cold 2, je crois qu'on va s'arrêter là. Je sais pas au niveau du montage, ça va faire combien de temps, mais je pense que c'est une assez grosse vidéo. Donc là, on a déjà bien avancé sur notre setup de Botania. Dans la prochaine épisode, on va apprendre comment faire des runes. Ben en fait, on va se faire un setup pour les runes. Là, si je regarde, admettons, mon lexique Botania, là. La prochaine étape, c'était vraiment... ouais. Faire des runes, du terrastil. Oui, on va même pouvoir s'attaquer au terrastil. Absolument, oui. Et peut-être aussi avoir encore un meilleur setup que utiliser des endoflammes. Et peut-être aussi regarder quelques trinkets.
Si vous avez du temps libre et que vous voulez vraiment vous attaquer à Botania, je vous invite vraiment à aller regarder les trinkets, les trucs comme ça. Il y a des choses complètement pétées que vous pouvez faire avec Botania. Genre les Band of Mana, le Citrus Amulet que j'ai depuis le tout début. Ah, mais ça, il vous faut des runes of air, des runes. Mais bon, quand vous allez apprendre à faire les runes, ça va aller beaucoup mieux. Bref, amusez-vous bien avec ce que vous avez appris. Amusez-vous bien aussi à regarder tous les lives, toutes les vidéos de tous les autres membres qui sont sur Modécube. C'est vraiment une communauté vraiment formidable. Si vous voulez rejoindre le Discord pour être notifié quand les vidéos sont publiées, si vous n'êtes pas déjà abonné en fait à la chaîne, n'hésitez pas à les rejoindre, il va être dans la description. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous si vous voulez en voir plus. N'hésitez pas à like, commenter. Commentez-moi s'il y a des trucs que j'ai pas dit, ou peut-être quels sont vos flocs préférés ou les trinkets que vous préférez le plus. Et sur ce, nous, on se rejoint dans un futur épisode. Peace!